Salut à tous tout le monde, ici c'est Urushima Nightside et donc bienvenue pour ma room tour sur ma chambre de gaming. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose. Alors voici, alors ça c'est mon lit, et ça il y a mes posters de manga, et donc ça il y a toutes mes affaires. Et donc ça il y a mes mangas où il y a un petit peu le bazar, où ça j'ai ramené ça des vacances dans le nord de la France. Et j'ai même mes 3 mangas de Pokémon. Et ensuite il y a mes jeux, la boîte de la Nintendo Switch que j'ai eu il y a 3 ans. Et ça c'est ma boîte de jeux de société sur les questions et références aux jeux vidéo, 250. Et ça c'est ma boîte de chaussures, alors Lazaro et Timberland. Ça, il y a tous mes classeurs, et ça, il y a tout ça pour mes cours et aussi pour mes formations, parce que moi, je dois chercher un emploi. Et même pour l'association où j'ai trouvé ma société et tout ça aussi. Tout, même la pochette archivée et classée par document. Et aussi, il y a mes vêtements de sport et tout ça. Il y a tous mes vêtements, ma sacoche et tout ça. Et j'ai pas mal des boîtiers des jeux Nintendo Switch. En réalité, j'ai FIFA 22, j'ai Minecraft Dungeon, il y a Animal Crossing New Horizon, il y a Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Party Superstar, Just Dance 2020, Go Vacation, 51 Euro World Game, Utopia, Mario Golf Super Rush, Plus pour Mario Bros. U, The Death 2021, Crash Nitro Racing Pro Fluid, Minecraft, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Dragon Ball Fighter Z, et aussi Super Mario 3D All Star. Voilà, jeu de la Nintendo Switch que j'ai eu ça avant. Après d'autres, je vais faire des Let's Play Guitar. Mais, un petit peu le bazar, il y a beaucoup qui sont là-dedans. Hein. Bon, bah, quand même, je vais devoir les ranger parce que du coup, c'est un petit peu le bazar parce que du coup, bah, j'en ai plein en quantité parce que j'ai tout demandé parce qu'il fait aussi des retours sur TikTok, mais vu qu'il fait un peu plus court en son enregistrement, mais quand même, il peut déverser au moins 10 minutes. J'ai même encore un petit peu ça. Donc ça c'est mon ordinateur de gamer, mon PC gamer, et j'ai même mon PC portable où j'ai il y a à peu près presque 8 ans ou 9 ans, je veux dire presque 8 ans, donc il y a 8 ans que j'ai eu ce PC là. Et j'ai même mon moniteur HP 32 pouces, et vu que c'est une grande télé, bah vu que c'est en haute définition, et j'ai même mes écouteurs, ma webcam, ma manette et aussi ma Nintendo 3DS. Bah, est-ce que je pourrais faire des let's play dessus, mais moi j'aimerais bien pour trouver un peu des idées, qu'il y a beaucoup de fans qui me demandent, ouais, par exemple si je demande faire des nouvelles vidéos de Mario Kart, Pokémon, Rocket League et aussi Fortnite. Mais Fortnite c'est parce que j'aime pas trop, parce que Fortnite c'est un peu simplement de la merde, parce que Fortnite c'est pour les PD, ce que j'aime pas, que les joueurs c'est pour les PD Fortnite, hein. C'est pour Ensuite, j'ai même une application, Discord et Steam et Yuzu parce que ça rame, parce que moi, c'est mon PC que j'ai eu il y a 8 ans, il déconne trop. Et j'ai même tout, mon Camtasia, il y a tout, Google Chrome, voiture automobile, j'ai tout ça, mais bon, ça reste que privé, personnellement. Et même Steam, je crois qu'il y a certains jeux gratuits qui sont gratuits, mais payants, parce que vu que mon PC n'avait pas assez de carte graphique. Et même le uTorrent, parce que en fait il y avait déjà beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup trop. Donc voilà, j'ai même tout en dernier que j'ai pas envie que je montre en dernier, parce que j'ai pas trop oublié que je montre en dernier. Et même j'ai pas encore pas trop montré ce qui est passé là-dedans. Et donc ça c'est mes jeux 3DS que j'ai en cartouche, mais vu que je joue pas avec les jeux en cartouche, j'ai encore ça, parce que ça j'en ai déjà dans le GoFresh, parce que c'est une merde. Mario Kart 7, Pokémon Ultra Lune, Kirby Triple Deluxe, Animal Crossing,
Happy Home Designer, Utopia, Mountain Open, Super Mario Maker, Nintendo 3DS, c'est tout ça et encore plus. Et voilà, et encore plus. Et pas le moindre, j'ai encore un de mes jeux, oui, parce que je joue pour l'occasion. Ah, bon, c'est pas pour l'occasion. J'ai pas mal à sortir pas mal de. Comment dire, j'ai beaucoup parce que en fait j'ai oublié de faire de vendre la Wii parce que en fait j'ai déjà beaucoup pour les demandes de vendre parce qu'en fait si j'ai assez d'argent parce qu'en fait un Micromania que j'ai eu en 2018 et peut-être si j'en demande rien parce que j'ai ce que j'ai demandé parce que Micromania il me coûte combien il coûte à peu près 2,99€. Bon, en réalité j'ai encore quelqu'un qui veut essayer parce qu'en fait j'ai beaucoup de jeux sur la Wii. Et j'ai voudrais aussi une Play Motion, lui qui fait 7€, et je vois encore pas d'autres encore. Et même Super Smash Bros Brawl, en fait ça coûte 19€, par le premier que j'ai eu en 2018, par date d'acquisition. Et vrai gamer que je commence, j'aimerais bien plutôt que je demanderais de grandir avec Alone in the Dark, parce qu'en fait j'aurais dû assis sur Wii. Et en fait, je vais porter ça sur PS2. Et derrière, alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu peux arrêter quoi cette caméra? Alors, quelle obscure secrète abrite pas Central Park. Ah ouais, ça se passe vers New York. Et lui, j'ai pas tout compris le prix parce qu'en fait. Ah ouais, il a été licencié par Nintendo. Vieux et qu'il faut il fait que trop déconner et même je vais devoir le fouler un peu parce que du coup c'est pas un petit peu fou quand même mais je vois un petit peu là que je demanderai hein. Beaucoup d'influenceurs qui vont me demander hein. En fait je voulais pas trop estimer que j'ai vu sur TikTok il y a une jeune étudiante de 18 ans qui est à l'université Duke aux États-Unis d'Amérique en Caroline du Nord qui a montré sa chambre très courte parce que elle s'appelle Catherine Miller. Si vous voulez montrer que j'ai une vidéo sur elle, parce que si vous voulez voir sa vidéo, elle l'a postée sur TikTok depuis très courte. Vous l'avez eu son commentaire si vous voulez voir, parce qu'en fait j'ai encore son TikTok que je vous montre en montage. Hein. Si vous voulez voir le lien sur TikTok, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez voir, allez maintenant. Hi! Okay, so a few people were asking for a dorm tour, so I figured I'd just show y'all around a little bit. This is my bed, and these are my stuffed animals who I do not go anywhere without. On the wall up here, I bought some little like travel posters of places that I either have gone or want to visit in the future. Down here I have like some drawers and some snacks and just books and things like that. Over here I have some string lights and I'm hoping to set up like a little recording studio here so I can keep doing my music at college in a more like professional capacity. So I've got like a microphone and guitar stand and so working on setting that up. Over here I have my little desk area where I have like a computer, some like getting ready stuff, a K that lights up, and then a little rolly chair, and then this, which is incredibly disorganized, but I will be using to hopefully store some stuff. Over here, my roommate got these like really cute little chairs and this little table with some cards and stuff like that for us to just like host people and have like game nights and movie nights, and so I'm really excited about that. That was such an awesome purchase. And here is my little walk-in closet. I have just some clothing here, some exercise stuff on the ground, just some, I guess, storage space up there as well. I think that is pretty much my room, so yeah. Bah, comme si j'ai bien vu cette fille qui a fait de la musique dans sa chambre, dans son dortoir au Duke, parce que vu qu'elle passionne trop avec ses musiques, avec sa guitare et son enregistrement pour plus tard, parce que bientôt j'aimerais bien qu'elle fasse aussi ses formations de musique. Mais sauf moi, je fais que des formations de gamers avec ça. Avec ma manette de PC que je vais jouer un petit peu plus tard. Eh bien, merci pour cette vidéo. Je vous mets un pouce bleu, commentez ma vidéo, abonnez ma chaîne et c'est tout. N'oubliez pas la place pour cette prochaine vidéo. Allez, salut et à bientôt. Et c'était pour ce dimanche-là.